Bahreïn. Il s'agit d'un circuit de nouvelle génération composé de virages rapides et de zones de freinage importantes. Le circuit est situé au milieu du désert. Le sable et la poussière sont des facteurs qui vont ralentir la course. Première zone de freinage. La voiture passe de 315 km/h à 65 km/h en 3 secondes et 130 mètres. Le haut niveau d'adhérence longitudinale des pneus permet de générer plus de 5 G en décélération. Les virages 5, 6 et 7 sont des points clés du circuit. Il est important de ne pas dévier de la trajectoire et de rester sur la partie propre de la piste. L'adhérence et la précision de pilotage générée par les pneus aident le pilote à rester sur la trajectoire idéale. Les virages 11 et 12 sont pris en enchaînement rapide à 250 km/h. Le sable déstabilise l'adhérence et la tenue de route de la voiture. Le grip des pneus combiné à la charge aérodynamique empêche la voiture de partir en glisse et amène les équipes à trouver les meilleurs réglages. Les fortes températures et la présence de sable sur la piste ont amené Pirelli à fournir les pneus médium et tendres qui assurent le meilleur compromis entre adhérence, performance et durabilité sur ce type de circuit.